Non, arrête, tu mytho. Oh, je suis mince, j'ai jamais vu. Oh, mais c'est quoi ce bordel? Bon, allez, c'est parti, c'est Tipar. Je vais forcément finir cette bannière, les gars, faut pas déconner. Hein. Je vais finir cette bannière. On va juste en invoquer 200 et après, je me barre. Et après, je me barre. Putain, je suis obligé de faire one by one, là, du coup. Sinon, je suis perdant. Vas-y, go un par un. Go un par un. Moi, j'ai eu Grégo Lorendova. Ah. Bon. Pour l'instant, c'est naze. C'est naze. Je vois des points que je n'utilise pas. Allez, quoi, on a le droit au bonheur. Oh, un petit capnat. Imagine, c'est un LD. Imagine, c'est un LD. Bon, imagine, c'est une Amazon. Croy, Mio moins LD. Ouais, mais ça comptera pas pour la prédit. Hein. On a dit 4 étoiles ou 5 étoiles. Et après, je vais les faire en x10. Hein. C'est juste que là, c'est juste pour finir cette bannière, en fait. Je suis à combien? 177. 178. 179. Et le dernier. Et ensuite, j'invoque en x10 pour finir la bannière. Croy, 4 étoiles, case. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Comment ça, je suis à 181? J'ai trop la haine. Ça s'actualise pas en temps réel? C'est quoi ce délire? Bon, bah, du coup, je vais devoir faire à l'unité. Hein. Ça me débecte. Hein. Bon, go faire une fois 10 et puis ça me débecte. Hein. Ça me débecte. En fait, ça te le compte, mais ça te le compte après, genre. C'est n'importe quoi. Ah, c'est du scam, ça, je reconnais. Hein. Ah ouais, c'est du scam. Bah, la bannière, tu peux la refaire, MNR. Mais j'ai pas envie de la refaire, en fait. C'est voulu. C'est voulu. Putain, je garde rien, là. Ah ouais, je garde que dalle. On y va à la mano, hein. Chez. Bon, c'est pas grave, ça change rien, les gars. Il y a plus de plaisir. Donc là, c'est écrit 193. Ah oui, non, c'est lent. Ok, ça vient de mettre 194. Donc là, 194, faut attendre que ça se détruise pour que ça mette 195. Bon, c'est bon, on s'est fait berner une fois, pas deux, du coup, hein. Go Elenoa pour le chef. Ce serait incroyable en vrai, Kunaga. En vrai, ce serait incroyable. Oh! Quoi? Attends, jure, j'ai eu un 5 nat là à 198 sur 200. Putain, ça pouvait pas être le feu, ça me débecte. Hein. Ah, je suis à 199 sur 200. Imaginez! Je suis mort. Imaginez seulement si on était sur un jeu qui faisait le reset de Pity. Imagine. Imagine. Non, c'est le vent, rip. C'est pas grave, je prends, frère, je l'avais pas. Moi, je suis content, les gars, hein, je suis content. Hein. Oh, ça aurait été encore plus broken si ça avait été un LD. Hein. Il est stylé. Ils sont badass, les Ifrit, sur ce jeu, t'as vu? Il est bien, en vrai. Je sais pas s'il est bien, je m'intéresserai à cette unité plus tard, mais pour l'instant, he's ok, quoi. Je suis mort. Alors, attends, comment ça se passe, là, pour la bannière? 199 sur 200, j'invoque le dernier. Soon event pour Akamamir. Ouais, c'est très bien, hein, c'est très bien. Donc voilà, c'est le 200e qui est forcément Sekhmet, du coup. Merci, Beagle. Donc c'est Sekhmet qui est forcément... voilà. Ok, donc il y a un petit bait hein, sur ce jeu, évidemment, les étincelles violettes. Les étincelles violettes, c'est forcément un 5 nat. Bah arrêtez, arrêtez de la chatte, c'est la pitié en fait, les refs. Attends, non. Me dites pas ça. Me dites pas que ça, c'est pas ma pitié. Ne me dites pas que ça, ce n'est pas ma pitié. Ne me dites pas que ce n'est pas ma pitié. Parce que si c'est pas ma pitié, c'est le clip Twitter du siècle, les refs. Hein. Ça, c'est pas ma pitié, ça, alors que j'étais à 200 sur 200. Quoi? Comment ça, mon ref? Non, arrête, tu mytho. Oh, je suis mince, j'ai jamais vu. Oh, mais c'est quoi, ce bordel? C'est quoi, ça? Non, je suis choqué, carrément, je suis choqué. Je suis choqué. Non, je suis choqué. Non, c'est trop, carrément. Je suis mort. Yes! Oh, le plaisir! Oh, what the fuck? Oh, le clip incroyable! Oh, celui-là, il part sur la tweetosphère. Hein. Oh, ce clip, il part sur la tweetosphère. Quand c'est trop pico. Mais je croyais que c'était ma pitié, moi, les gars! Reporte la chaîne. Ouais, on est plus à ça près. Hein. Je croyais que c'était ma pitié, enfin. Ouais, un viewer tank pour moi, quoi? Oui, c'est vrai que j'avais dit ça de base. Mais je croyais que c'était ma pitié, mon dieu! Mon dieu! Mais genre, tout le monde dès le début m'a dit ouais, la chatte, je sais pas quoi. Moi, je lui ai dit c'est normal. C'est normal, c'est le 200e vélin.
3-5 nattes dans les 10 derniers vélins. Je veux bien la pitié tous les jours. Ah non, mais t'as vu ça, Lomar? C'est dingue, hein? C'est du jamais vu, MDR. Mais c'est dingue! Mais c'est dingue! 3 derniers vélins, 3-5 nattes, allô? Eh, on n'a pas eu de 4 nattes ou de 5 nattes, hein? Bon, on va revenir sur la bannière classique, là. Non, vraiment, je suis choqué. Vraiment, je suis choqué. Tu voles pas ma chance, j'espère. Non, non, les gars, je vole pas de chance, moi, attention. Je suis pas... mange pas de ce pain, là. Hein. Bon, allez, c'est parti, vélin mystique classique. En vrai, je refarmerai pas cette bannière. Bah, déjà, parce que j'ai eu trop de secmets, hein, MDR Omega LOL. Donc, on va revenir sur les vélins mystiques classiques. Est-ce que vous pensez que ça peut valoir le coup de remplir ce truc autrement que ce que j'ai fait actuellement, c'est-à-dire juste farmer du skill up pour le vampire vent, quoi? Soit disant, t'allais tanker pour la commu. Bah finalement, c'est peut-être vous qui allez tanker pour moi, hein. Mais t'as béné avant. Il n'y a que le vampire vent qui m'intéresse présentement. Il n'y a jamais assez de secmet. Je peux récupérer une secmet. Faut en mettre 3 minimum. Bah du coup, secmet. Faut le remplir au max pour avoir la béné BG. Ça fonctionne pas si tu remplis pas. Ouais, mais on est d'accord que là-dedans, je suis obligé de mettre des 5 nattes que j'ai déjà loot. Ta béné est pas active, là. Il faut les 3-5 nattes. Bah ouais, mais je vais mettre du coup un 5 nattes de merde. Bah du coup je vais mettre je vais mettre ça, hein, tant pis, hein. En vrai, des 4 nattes utiles. Jasmine est bien. Ouais. Ou Akamamir. C'est vrai que j'ai Akamamir, hein, désormais, hein. C'est vrai que j'ai Akamamir, hein. Il faut pas faire la Beneimo. Ah, c'est compliqué. Chiou est bien. En vrai, on va rester là-dessus. Bon, c'est pas grave. On théoricraftera plus tard si c'est plus important de faire plutôt comme ci ou plutôt comme ça. On va se contenter de mettre 3 nat 5 standard, on va dire ça comme ça. Et on va enchaîner là-dessus, c'est pas très grave, quoi. Au moins, tu auras des skills up Tessarion. Voilà, après, faut quand même dropper, hein, faut quand même dropper. Alors, est-ce qu'on a de la réussite là-dessus ou pas du tout? Ouais. Un 4 nat, hein, je vais clairement skip, c'est une Amazon que j'avais déjà. Hop, on y va. Ah putain, je vais peut-être avoir un vélin légendaire de plus, en fait. En fin de compte. Allez, un petit truc là, ça fait longtemps que j'ai pas drop un 5 nat sur ce jeu. On doit faire au moins 40 secondes. Tu viens de diviser par 2 tes chances de LD. Ah, bah alors là, non. Alors si c'est réel, Scipio, alors non. Alors tant pis pour ma progression de jeu. Enlève-moi ça là. Si c'est réel, je veux maximiser mes chances de LD. Ah non, les gars, nous, moi je joue pour le beau jeu, je joue pas pour la progression, je joue pas pour le skill up. Ah non, si le blessing me garantit des 5 nats élémentaires, mais que du coup ça me nerf potentiellement mon drop rate de 5 nats LD, je suis joueur, les gars. Moi je suis joueur, hein. Je suis joueur. Fuck. On s'en fout. Oui, ça nerf. Et bah voilà. Et ben on se nerfe pas. Oh. Oh la dinguerie. Oh la dinguerie. Oh c'est dingue. Oh c'est dingue si c'est un 5 nats LD, c'est dingue. Oh c'est dingue. C'est dingue. L'achat du mec. Bizarrement, le timing, j'enlève le blessing, que se passe-t-il directement? Un 5 nat garanti dans la multi. Je me bouffe les... Ah quoi? Allô? Allô, ça bug. La régie, ça bug, je crois. Si c'est un 5 nat LD, c'est le deuxième clip move Omega Stonks du siècle. I have answered your call. Ah non, pas du tout. Imagine, c'était Artamiel, là. Paf, directement. Artamiel, ça aurait été stylé. Ça aurait été stylé. C'était sympa. Bon, petit Eladriel, en vrai. Ça va. Tout ça pour cette merde. J'aime bien Eladriel, moi. Put some respect. J'aime bien Eladriel, hein. J'aime beaucoup Eladriel. No joke, j'aime bien. J'aime bien, moi. T'aurais eu Sekhmet. Je m'en fous. Mais moi, ça me dérange pas, ça. Ça me dérange pas. Je suis joueur, moi. Moi, je suis joueur. Trop bizarre, la couleur verte pour le vent. Ouais, je suis d'accord que c'est... C'est faut s'y faire, un petit peu. Il faut s'y faire. Cowgirl, ouais. Hop, on met un petit x10. Non, mais moi, je suis joueur. Tant pis pour le skill up, on verra plus tard. Deux petits 4 nats, ok, c'est fine, on va skip. Chloé, en légende, je l'avais déjà. Et l'autre, c'est qui? C'est qui, l'autre? Attends, mais qui est l'autre? Qui est l'autre 4 nats? Ah, c'est lui. Ah, c'est le mammouth. Alors, attendez. Le vélin légendaire. Si je le récupère ici... Ok, il se met directement là-dedans. Parfait, impeccable. Et là, on y va en mode single, quoi. On y va en mode single chill. Salut Casio, salut le chat. Salut Shark White le grand. Hello les refs. Salut Doba, tranquille ou quoi? Cool. Mec, tu viens de rater une dinguerie. Genre, c'est du jamais vu, hein.
Quelqu'un a un clip là éventuellement? Non! Quoi? Quoi? La prédit? Quoi? J'ai même pas vu! Arrêtez! J'ai chopé un Katna TLD? Mais non! Attendez, attendez, je vais au moins finir ça là, vite fait. J'ai chopé qui? La prédiction FF. Ah ouais? Le pingouin light, Mav. Ah ouais, mais non, dinguerie. Attendez, c'est quoi la probabilité? Oui, cesse de me vendre ton pack et ton pack ici. Attendez, monstre. Sérieux, j'ai du Dark and Light maintenant? Il est où? New. Ah ouais, effectivement! Effectivement, hein, j'ai drop un Katnat LD, les gars. J'ai drop un Katnat LD. C'est pas le Mav vent. Ah non, non, je confirme, c'est bien le light. Hein. C'est bien le light. Hein. Chevalier pingouin de type light. Je confirme. Wesh frérot, yo Domi. Domi vient de se passer une dinguerie. Vient de se passer une dinguerie là. Pas besoin d'un clip si tu le chopes, si tu le drops en live. Non mais juste avant que t'arrives, Doma, juste avant que t'arrives. Bon. On revient là-dessus. Bon, on a tout craqué là. Bon, vélin de feu, vélin d'eau, bon ça. Pff, en vrai, OSEF complet, hein. C'est des petits vélins qui m'intéressent pas spécifiquement. Les petits vélins de vent. En vrai, dingue ou une dingue, pas dingue. Non, non, une vraie dingue, une vraie dingue. Mais c'est dommage, personne n'a le clip, là, potentiellement. J'enchaîne après toi, au fait, du coup. Ouais, ouais, si tu veux, on peut faire ça, bro. On peut carrément faire ça. Hein. Le pool de monstres est amené à se développer ou c'est fixe? Ah non, ça va nécessairement se développer. Sur Summoner's War, faut se dire que toutes les... allez, tous les semestres, maximum, il y a une nouvelle famille de monstres sur le jeu. Hein. Il y a une nouvelle famille de 4 nattes, une nouvelle famille de 5 nattes qui rejoignent le jeu tous les trimestres plus quoi. Donc non, c'est pas figé dans le marbre, ça va forcément et inévitablement step up. Allez, petit vélin de feu en légende. C'est forcément un 4 nattes quoi. Déjà, vous avez pas la God Juno. Bon, c'est un 4 nattes, c'est pas très grave. Chevalier vagabond, parfait. On s'en fout un petit peu. Ça, c'est les vélins comme toi, c'est gratos, ça. Ça, c'est parce qu'il y a eu les 5 millions de téléchargements. Tout le monde a eu, ce matin, en se connectant, 3 vélins légendaires, élémentaires. Domi, tu peux valider la prédiction, s'il te plaît, si ça t'embête pas, bro. Ou Domi, ou Atanyar, hein. C'est la team optimiste, c'est la team bleue qui a gagné. J'ai fait la prédiction, va-t-on drop au moins un 4 nat LD. Et je viens de drop un 4 nat LD. Donc, tous les rouges se sont trompés. C'est la team bleue, c'est la team oui qui gagne. Ok. Paf, vélin d'attribut de type vent, c'est parti. Vivement les chevaliers dragons là. Après, à la limite, gardez vos points, hein. Enfin, gardez vos points et gardez vos invoques. Vous gardez vos invoques, éventuellement, peut-être que quand il y aura du chevalier dragon, là, vous allez pouvoir tout flamber, quoi. Mais 40 000 points de chaîne dans le vent. Regarde le chatbox qui s'arrache les cheveux pendant que Scipio réalise le braquage du siècle. Merci, merci au modo d'avoir validé la prédiction, merci beaucoup. Et bah sachez que vous vous êtes planté à hauteur de 60% et 40% de gagnants là qui se répartissent, je sais plus, 236 000 points de chaîne, un truc comme ça. Moi, regardez mes invokes, c'est vrai que c'est du RNP. Merci Domi, merci beaucoup. Bon allez, on finit cette petite summon par une toute petite dizaine de vélins légendaires. C'est parti, on y va, on y croit. Normalement, je devrais avoir le droit bonheur, faut pas déconner non plus. Ok, m'intéresse pas, go next. Allez quoi, moi je veux voir le ciel violet. Pas intéressant, vagabond vent. Que nenni, nada, que dalle. Go next en fait, go next. Ok, toujours pas intéressant, c'est pas ce que je veux, c'est pas ce que je recherche. Yo BG, la forme, yo Shoto, ça va super et toi mon frérot, cool. Mais putain, mais toujours pas ça, après prêt tes piquions, j'aime bien. Allez, on continue. Bah sérieux, je vais rien drop là, non. Oh, il y a eu un giga bug hein, sur le. Après, c'est vrai que c'est l'homme lézard. C'est vrai qu'il est. C'est vrai que lui, giga chad. Mais j'aurais que dalle, hein, c'est gravissime. Merci Beagle de participer à la cagnotte du stream. Putain, c'est vrai qu'il faut que je mette ce truc en place aussi. Merci Sarah d'être toujours présent sur le live. Vivement vendredi, je suis en vacances une semaine. Yes! Un petit 5 nat là qui tombe ici directement. Allez, vends-moi du rêve, bébou. Waouh! Je l'avais jamais vu carrément. Je l'avais jamais vu, Dame de l'Enfer de type vent, mais punaise! Sexy chocolat, hein! Et franchement, elle est incroyable, hein! Elle est incroyable! Etna, elle est incroyable, hein! Franchement, elle est incroyable, hein! Le mec a que du vent MDR. Ouais, j'ai l'impression que c'est comme ça, hein! Parfois, les comptes ont des prédispositions sur certains éléments. Bon, bah, moi, j'ai des types vent. Bah, c'est pas mal, hein! C'est vrai que j'ai que des types vent, par contre, c'est effrayant. Moi, je suis content, elle est magnifique, hein! Les devs se sont fait plaisir MDR. C'est vrai qu'elle est badass. Le back-to-back 5 étoiles natif! Arrêtez, arrêtez, arrêtez.
my thunder. Mais encore un vent, mais c'est quoi ce bordel? C'est Gozin, Gozin Geuzé. Le seul, l'unique, Gozin Geuzé, le roi singe vent incroyable. Mais what the fuck? Mais attendez, mais j'ai chopé quoi là? C'est... Ah, il me reste encore un dernier vélin, autant pour moi les gars, autant pour moi. Allez, le dernier petit catnat là, qui va venir renflouer tout ça là. Y'a que du vent, y'a que du vent Mythix. Gozin Geuzé, c'est le frérot, c'est la famille. Ouais, bah j'ai chopé que du vent. Bon bah c'était vraiment cool, je suis très content. Yo, yo Nemesis. Bah je suis très content, en vrai de vrai. J'utiliserai jamais le Blessing, je le mettrai jamais ce truc. Déjà d'une, parce que j'aime bien les loot aléatoires, et de deux, j'adore les Dark and Light. Donc fuck it en fait, j'en ai rien à foutre. Non, j'utiliserai pas ce truc. Non mais Casio, c'est bien, c'est une béné. Ouais, c'est super, c'est génial. C'est super, c'est génial. What the fuck, PTDR, je viens d'avoir un problème là. Ouais, dis-nous Mist. Petit bilan de ma summon, globalement on repart avec quoi nous? On repart avec quoi? La puisse, c'est quoi? Non, pas les 6 stars. Hop, donc globalement, on repart avec quoi? On repart avec... Putain, mais elle est incroyable, hein, mon dieu. Attends, fais voir sa forme Wake. C'est dans quoi déjà? C'est dans le livre. Ah. Ah, je suis très déçu. Je m'attendais à un truc drastiquement badass, tu vois. Et on est sur un truc drastiquement similaire, en fait. Elle est pas mal du tout quand elle est Wake, cela dit. Tu le mettras sur tes LD, crois-moi. Oui, oui, non, mais it's ok. Donc, on a drop ça. On a drop Xinze. Mais j'espère quand même qu'il est un peu plus badass une fois awake, lui. Ouais, ça va. C'est mieux que rien. C'est mieux que rien. C'est mieux que rien. It's ok, it's ok. It's carrément ok. Et le petit free de vent, là, c'est la famille. Et voilà. Ah oui, non, je l'avais oublié, lui, carrément. J'avais oublié. Putain, et pas mal, hein. Et 80 vélin mystique overall, 4 nat 5... 4 nat 5 de type vent. Eh ben on est content. On est très content. Archange vent, Ifrit vent, Roi singe vent et Dame de l'enfer vent. Et franchement, c'est cool. Franchement, c'est nice. Hein. Ah oui, j'avais presque oublié la Sekhmet. 5 nat 5. 5 nat 5 en 80 vélins. J'avais presque oublié ce détail. Hello, Kaz. Salut, Cynix Ray. L'achat de vent, c'est cool aussi. Elle, Naomi. Ah, mais oui, j'ai drop Naomi. Putain, j'avais même pas fait gaffe, Tijo. T'as grave raison. Ah, oh, je suis content d'avoir Naomi. Je serais content d'avoir Naomi, je la voulais depuis, bah depuis le début du jeu, hein. J'avais droppé la feu et la eau, mais les deux m'intéressent pas respectivement, alors que l'avant elle est très très cool. Ah je suis content, on laisse un pouce bleu. Je crois que je vais lancer un autre compte sur Tilacha, c'est vraiment si bugué que ça, c'est vraiment si bugué que ça le serveur Liebli. Bon, en tout cas c'était cool, c'était vraiment cool, c'était vraiment nice quoi, vraiment nice. C'était Casio, tchou tchou.